et une tache. On dirait une sorte de pourriture. Ça doit être l'horloge dont parlait Jérémy dans le carnet de notes. Ah, on dirait la plaque sur laquelle était monté le talisman dans le cabinet de spiritisme. Mais elle est cassée, et il manque des morceaux. S'il n'y avait pas la collection de statues étranges, la vieille horloge astronomique attirerait tous les regards dans la pièce. Pour Carnby, ce n'était pas le mécanisme complexe de l'horloge qui se distinguait, mais l'étrange plaque qui se trouvait à l'intérieur. Elle lui rappelait la table de rituel du cabinet de spiritisme de Mademoiselle Jackson, où il avait manipulé le talisman pour ouvrir une porte menant à Derceto. Il voulut essayer de reproduire la procédure, mais il s'aperçut que la partie intérieure de la plaque était cassée. Il devrait retrouver les pièces manquantes et reconstituer la plaque. Désolé, détective. Je n'essayais pas de faire obstruction à la justice ou que sais-je. C'est bon, tout va bien. Vous savez, je suis un peu accaparé par ma propre affaire de disparition. Je me demandais si vous n'auriez pas vu Grace, une jeune fille grande comme ça. Ça me dit rien. Pourquoi cette question ? Eh ben, je la cherche. Pour la gronder ? Non. Simplement, elle se cache quelque part. Mais nous ne pouvons pas laisser cette petite coquine courir sans surveillance en ce moment. Vous comprenez ? En tout cas, je l'ai pas vue. Dites-moi si vous la trouvez. Je suis pas loin. Et j'ouvrirai l'œil au cas où j'apercevrai Jérémy. Rendez-moi service, détective, et je vous rendrai l'appareil. McCarthy rappelait au détective Carnby un vieux pilier de bar qu'il avait connu. Il le détestait. Il n'y avait rien à faire. McCarthy allait avoir du mal à faire appel à ses bons sentiments. On dirait que tout est rentré dans l'ordre ici. Emily est ici. Thank you.
Oh, quelle excentricité. La colonie d'artistes d'Astarte. Je me souviens avoir entendu parler de sa disparition. Ça doit bien faire 15 ans maintenant. Peut-être plus. Devrais-je me rappeler comment les récupérer? Elles sont enfermées pour une bonne raison. Je suis sûre qu'elle peut encore chuchoter la réponse à l'oreille des mauvaises personnes. Mais plus pour longtemps. Bientôt, je la verrai brûler. Cette chèvre noire sera sacrifiée pour mettre un terme à tout cela. Alors, tout sera fini. Plus de Derceto, et malheureusement, plus d'Astarte. Ces braves pirates de Pontchartrain. Puissiez-vous continuer à naviguer sur le lac jusqu'à ce que vous trouviez les rives de Ali? C'est quoi ces symboles? On dirait de l'alchimie ou des constellations d'étoiles. J'ai réussi. J'ai franchi le seuil de ma destination sans artefact de focalisation. Mon talisman connaît désormais ses chemins, et je n'ai plus besoin des plaques. Je peux trouver mon chemin vers Lafayette aussi facilement que je retrouve ma propre chambre. Je me suis rendu sur le tombeau de mon père, et j'ai vu la tombe qui m'attend. Merci d'avoir ouvert ces portes. Je dois maintenant rassembler mon courage et retourner auprès de ce monticule horrible, près du puits de pétrole. J'espère que vous vous sentirez mieux à mon retour. Ces peintures sont rongées par une pourriture d'apparence sinistre. Le code astrologique simple était celui que préféraient les artistes qui avaient habité la demeure il y a 20 ans de cela.
Ce code secret pouvait facilement être transformé en chiffres et en nombres lorsque c'était nécessaire, mais servait également de signature pour les membres, puisqu'ils n'étaient que 12. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Le détective Carnby avait du mal à comprendre ce qu'il s'était passé. C'était comme lorsqu'il s'était retrouvé dans le quartier français, mais avec moins de puissance et d'intention. Était-ce lui qui avait provoqué cela ? Ou était-ce autre chose ? Il me semble avoir déjà vu ça quelque part. Je crois que l'horloge vient de se casser. Ou alors elle s'est peut-être juste arrêtée à un endroit très précis.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça commence fort. je suis déjà bloqué, quoi. C'est bizarre parce que... Voilà, moi je me dis le code, c'est probablement... 3, 4, 6, quoi. Mais c'est pas ça. Hein. C'est bizarre. Non, et la plaque en dessous, je me suis pas trompé, sinon ça n'aurait pas avancé. Et pourtant ici, on est bien 3, 4, 6. Hein. Ah, attendez, c'est peut-être... Ah, je crois que j'ai pigé, ok. Voilà. C'était dans l'autre sens. Ah. Bon, allez. Il y a une image dans le verre noir. Il me montre quelque chose. C'est le couloir devant la chambre de Jérémy. Allez, bonne vidéo. Oh, ça fait un peu... L'ambiance est pas mal, hein. Le jeu, voilà... Pour l'instant, moi, j'aime bien, quoi. L'ambiance est vraiment pas mal. Allez, bonne vidéo. Ciao, ciao. J'ai réussi. Je suis entré dans un autre souvenir de Jérémy. Mai 1923, lundi, rien à signaler. Tout est prêt pour la livraison. Maintenance, la pompe à huile doit être révisée. Toute manipulation entraîne d'importants déversements si toutes les précautions utiles ne sont pas prises. Mardi, expédition retardée, mais livraison effectuée. Maintenance, la passerelle de service est sur le point de s'effondrer. Mercredi,
Les prospecteurs ont accepté à contre-cœur de montrer le tumulus à Monsieur Hartwood, un peintre qui a eu connaissance de nos découvertes dans les journaux. Il a l'intention de revenir demain et souhaite trouver un moyen de pénétrer à l'intérieur. Jeudi, les efforts de Monsieur Hartwood ont pris du retard. Les ouvriers semblent inquiets de sa présence. Hartwood a promis de ne pas revenir sur le chantier. Au lieu de ça, il accepte l'offre formulée par Monsieur l'officier, capitaine du navire, qui a l'intention de le conduire jusqu'au chantier demain matin. Espérons que cette affaire est close et que le travail peut désormais reprendre. Maintenance. La passerelle reliant le puits de pétrole au bayou s'est effondrée. Je soupçonne qu'il s'agit d'un sabotage. C'est le diable qui nous guide désormais. J'ai besoin de la clé. Il manque quelque chose. C'est fermé à clé.
C'est bon. Pas vraiment l'air très solide. J'ai juste besoin de quelque chose pour le casser.
Y avoir un moyen de passer de l'autre côté.
Tandis que sa fierté s'évanouissait, le détective Carnby éprouva un sentiment de malaise. Il avait réussi à pénétrer dans un monde entièrement nouveau. Comment cela était-il possible et pourquoi l'acceptait-il si facilement? Une chose était claire. Il ne trouverait aucune réponse à ces questions en s'interrogeant sur la réalité. Ne sachant que ce qu'il avait lu dans le carnet de notes de Jérémy, Carnby partit à sa recherche dans le monticule horrible. Entre une chute mortelle et être dévoré par les flammes, tu préfères quoi? C'est le monticule horrible dont Jérémy parlait dans son carnet. Ne vous approchez pas. Je suis armée. Éloignez ça de mon visage. Qui êtes-vous?
Que faites-vous ici? Je suis un détective qui essaie de trouver un lieu appelé Tarueya. Vous en avez appris, Jérémy? Pourquoi? Je travaille pour sa nièce. Elle veut s'assurer qu'il va bien. Il est peut-être indemne, mais il est loin d'aller bien. Il est un fléau pour Derceto. Et c'est reparti. Silence! C'était un échec. Le puits de pétrole et le monticule horrible ne l'avaient pas rapproché de Jérémy. Carnby était persuadé d'être parvenu à son but en découvrant le sac de Jérémy. Mais ce n'était qu'un piège tendu par Lottie, une aide-soignante de Derceto. La situation avait rapidement dégénéré, mais Carnby avait réussi à retourner à Derceto sans être plus inquiété. Au moins, il pouvait rayer cet objet de sa liste. Il lui restait désormais à comprendre quoi faire de la chaudière. Réflexion sur le pouvoir du verbe dans certains textes par Juan Luis Rodré. Agir est en soi quelque chose de divin. Le moindre mouvement de notre main est la preuve que notre âme est en mouvement. Néanmoins, notre libre arbitre est si facilement submergé par la monotonie de nos existences quotidiennes. Nos actions deviennent routinières et rigides, malgré le luxe et le confort. La véritable divinité se trouve dans le choix de quitter la scène sur laquelle nous nous produisons tous. Les personnes qui découvrent cette liberté de manière inattendue seront frappées par la terreur de cette révélation et se trouveront paralysées, ou pire, recourront au suicide. Toutefois, si vous parvenez à surmonter cette tempête, vous découvrirez qu'il existe un chemin divin au-delà de cette peur. Il existe une chance de vous séparer de votre destinée et d'accomplir quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas été planifié ou prédestiné. Il est difficile d'expliquer ce type d'action, car elle transcende nos choix quotidiens. Il ne s'agit pas d'une décision banale consistant à choisir une carrière plutôt qu'une autre, ou même la personne que l'on doit épouser. Quitter la scène, quelle que soit la manière dont on le fait, n'est pas une question de correction de trajectoire. C'est un rejet de l'histoire contée par le Créateur.